Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc, je viens d'aller donner ma ferraille à l'autre Tintouin. On va aller voir les réserves de Craterside pour plusieurs raisons. Ah bah tiens. Dont le fait que Nathan puisse se téléporter dedans quand il le souhaite, c'est cool. Comment vont ces petits... tu me fais chier avec ça, nanana, j'ai traversé Manfield, je ne suis pas allé encore à Manfield, des objets. Voyons voir ces marchandises, voilà. Alors, munitions, non, col miracle, frein de moto, module de capteur, alors voilà. Faut qu'on aille dans divers. Moi, je te vends un pistolet à peinture. Si tu as un grippin, lampe témoin, hop. Ah la vache, ça coûtera cher, ça. Ma première infirmerie, mon premier laboratoire. Machine de Nuka-Cola, maison établie, pierre aiguisée, plan, lance briquet, trésor de moto, souffleur de feuilles, épingle à cheveux. Bon, bah voilà, ça résout le problème. Alors, je vous rappelle que moi, il me faudrait une lame. Une lame de... une lame de... comment ça s'appelle? Mince, de tondeuse. Ce serait l'objectif principal, si on pouvait appeler ça comme ça. Donc voilà. Bon bah, accepté. Bonne chasse. Merci. Une lame de tondeuse. Je crois que c'est assez difficile à trouver en plus. Je ne me rappelle plus. Bon. De ce côté-là, ça c'est fait. On va se téléporter, chers amis. Depuis le dernier épisode, nous avons résolu un petit peu les problèmes avec la famille. On va donc se téléporter à Harfou, voir comment va Yann et voir si, sauvegarde rapide, voir si ça leur plaît de donner leur sang en échange d'une protection. On va d'abord aller voir Yann avant de parler. Eh ben non, moi je suis pas un connard comme toi. Hein. On va aller voir si Yann est rentré, on va aller l'informer de la petite lettre. Yann, salut. Merci encore de m'avoir aidé à faire le point. Y'a pas de problème. Je sais que c'est dur, mais parlons de ce qui s'est passé à Harfou. D'accord, bon, on est obligé. Comment avez-vous pu faire ça à vos propres parents? J'aimerais bien pouvoir répondre à ça, vraiment. Je ne me rappelle rien du tout. D'accord. Quand la faim l'emporte, je suis submergé, comme si quelque chose me contrôlait. Je vois ce qui se passe, mais je ne peux pas fermer les yeux. Donc il est autant une victime, quoi. Je ne sais pas de ce qui s'est passé jusqu'au moment où Vance a frappé à la porte. Comment Vance a-t-il su que vous étiez l'un d'eux? Ça, c'est une bonne question. Il a l'air d'avoir un sixième sens pour ça. Peut-être que toute notre espèce, là. Dès que je suis entré dans la famille, j'ai eu l'impression d'être à ma place pour la première fois. D'accord, donc c'est une bande de vampires. C'est pas un seul vampire. Comment avez-vous fini par quitter Harfou? Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis à regarder les cadavres de mes parents. Ouais, j'ai bien de croire. J'ai l'impression que ça a duré des jours. Je voulais manger, dévorer leur chair. Mais on aurait dit qu'une petite partie de moi me retenait. Logique. Ensuite, comme sorti de nulle part, il y a eu des éclats de voix et un coup à la porte. J'ai ouvert, c'était Vance. Il avait l'air de savoir exactement ce que je ressentais. Il m'a pris par le bras et nous sommes partis. Je ne me suis même pas retourné. D'accord. J'ai vu la marque de la famille sur le mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vance m'a dit ensuite qu'il me couvrait et autorisait la famille à se nourrir. Comme mes parents étaient déjà morts, ils ont bu leur sang et laissé la marque sur le mur. D'accord. Ils ne voulaient pas qu'Evan me soupçonne. Le plus drôle, c'est qu'il rôdait déjà ici pour se nourrir, comme si Vance savait ce qui allait arriver. Peut-être lui qui t'a mordu. Parlons d'autre chose. Oui. Et je ne peux pas finir la quête? Il ne me donne pas l'opportunité de finir la quête. Ça m'ennuie. Alors, bon bah écoutez, on va retourner voir l'autre bonhomme. Je peux pas donner la lettre de Lucie à son frère, c'est dommage. Evan King. Le voilà, le héros du jour. C'est réglé, Evan. La famille m'en mettra plus jamais à fou. Ouais, je me suis occupé de votre problème. J'ai réglé le cas de la famille, vous me devez beaucoup. Si j'avais ne serait-ce que deux capsules, je vous les donnerais. Mais je ne suis qu'un pauvre éleveur de Bramine. Yann m'a dit tout ce que vous avez fait pour lui. Je suis bien content que vous ayez remonté cette rampe et que vous nous ayez aidés.
Merci encore. On vous accueillera à bras ouverts si... J'ai une proposition à vous faire de la part de Vance, le chef de la famille. Intéressant. On dirait qu'ils veulent passer un accord. On peut dire ça comme ça. Tant mieux. Je n'aime pas tellement surveiller cette rampe toute la journée et me calfeutrer la nuit. Dites à Vance que ça marche. On va faire ça. Je vais en parler. Toute aide serait très appréciée. J'ai mis des choses de côté. Vous pouvez vous servir. De la vodka. Ah d'accord, il a un puits de vodka. D'accord, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Carte du monde. Alors. Faudrait qu'on retourne les voir, mais alors ça me fait chier parce que vu la route qu'il y a à faire à l'intérieur. Mais bon. Pourquoi pas, allez, on y retourne une dernière fois. Une toute dernière fois. C'est pas par là que je suis sorti tout à l'heure. C'est pas par là que je suis sorti tout à l'heure. Là, c'est là où il y a les ghouls. C'est pas là non plus que je cherche. Me dis pas que j'ai paumé le dépôt de mes restis, voilà. Je préfère. Fais un geste, mec. Tu vas me donner tout ce que tu as. 5 capsules, ça suffirait pour avoir la paix. Dégage, je vais te regretter de m'avoir menacé. Perdu. C'est pas la première fois, hein. Et moi qui n'ai plus de cartouches. Trouvé. Où ça? Allez. Désolé. Ah, c'est Mel. Mel Gibson. Mel. Dernière chance. Mel. T'as fait le con. T'en payes le prix. Désolé, Mel. C'était Mel Gibson. J'ai tué Mel Gibson. Non. Bon. Hop. C'est le fameux piège à ours. Une lame de tondeuse. Je me demande bien où est-ce que je vais pouvoir trouver ça. Bon, enfin. Alors. Hop. Donc l'autre, il est même plus là à attendre. Il fait même pas ce qu'il est censé faire. Autrement dit, garder le truc. Il dort ? Mais il est où ? Mais où qu'il est coulé, ce con ? Permettez, je prends la ferraille. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise déjà ? Un ticket de métro ? Génial. Je le prends juste pour la forme. Le Radaway, je le prends pour la forme. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Rien du tout. J'avais pas vu, Robert, tu m'as fait peur. Arrêtez ! Au voleur ! Non. Non, non. Tu vas pas non plus t'exciter comme ça. Attendez, juste avant de voir, j'aimerais... Ouais, d'accord. Donc ça remonte trop loin. Donc vous me direz, il n'y a pas une grande différence entre celui-là et celui-là. J'ai fait le con, c'est ma faute. J'aurais dû faire une sauvegarde rapide avant de voler les trucs et je l'ai pas fait. Et j'en paye le prix, tout simplement. Hop. Il manque vraiment le principe du sprint dans ce jeu. Hein. Je crois que ça a été instauré dans les Bethesda, enfin dans les jeux, oui, dans les jeux Bethesda, qui appartiennent uniquement de Skyrim. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors on m'a demandé si j'allais modder la série. Je ne sais pas. Pour plusieurs raisons, c'est que le jeu de base est excellent. D'accord, c'était ça le piège. Le jeu de base étant excellent je ne vois pas pourquoi. Ensuite, oui, il y a beaucoup de modes d'armement qui me seraient très,
Enfin, que j'apprécierais beaucoup, que j'aimerais beaucoup avoir. Après, bien sûr. Pour une bonne raison. Vous faites pas d'illusions. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui me... Souvent, malheureusement, les armes, en fait, dans les jeux, à partir du moment où c'est modé, les armes sont déséquilibrées. Ou alors extrêmement dures à obtenir, ou alors plutôt l'inverse, extrêmement faciles à obtenir. Donc bon. Alors. Vence. Où es-tu, mon ami? Regardez ce que le vent nous a apporté. C'est pas Vence, ça. Alan. Ils se retiennent, ils ne sont pas venus me bouffer ni rien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Améresti. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Harfou a accepté votre proposition, Vance. J'ai rapporté que... Ah, voilà. Vous avez tous mes remerciements. Il commence à s'habituer à ça, à la place des proies vivantes. Tant mieux. Pour vous remercier de tous vos efforts, permettez-moi de vous donner quelque chose. Eh bien, regardez qui revient. 5 poches de sang retirées pour 75 capsules. Ouh. Arfou, acceptez votre proposition, Vance. Excellent. J'étais certain de vos talents de diplomate. Parfait. Je vais immédiatement envoyer Alan à Harfou pour qu'il les protège et honore ma part du marché. Parfait. Vos efforts dépassent ceux des humains moyens. En fait, j'ai presque l'impression que vous êtes des nôtres. Si vous désirez connaître notre voix, il suffit... On va dire que pour l'instant, ce n'est pas ce que je recherche. Je me demandais si on pourrait discuter un moment. Oui, Trésor. Ah oui, je pensais que c'était avec moi. Comment ça va? Bien, je crois. Le nouveau m'occupe pas mal, mais je crois que ça va aller. Il a pas mal morflé. Oui, eh bien, c'est verrouillé. Il et faut oui, peut-être je vous vois que leur je réserve dessus. Un traitement spécial. Regardez ce que le vent nous a apporté. Bon, allons-y. Allons-y. Donc, les liens du sang, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a un paquet de quêtes à faire quand même, chers amis, mais qu'est-ce qu'il nous reste? L'homme réplique, écoutez un chute des indices pour découvrir l'identité d'une humain, ou dire à Zimmer que l'endroit est mort. On apprend plus sur le... D'accord, suivre, t'as désolé, obsédé rapporter une mine à Moira, d'accord. Nous rejoignons à Big Town. D'accord. Bon, bah ça pourrait être sympa, même si je pense pas être équipé ou armé ou suffisamment... bien équipé, enfin bien, comment que ça veut dire? Comment dire ça? Bien, suffisamment bien gavé de munitions, on va dire. Ah, j'ai plus le mot sur, je trouve plus le mot. C'est vraiment dommage. Suffisamment bien, pas alimenté, pas gavé. Ah, je le connais en plus ce mot, c'est chiant. On est suffisamment bien. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. Le soleil tombe. 12h. Hop. Ce qui était bien dans Skyrim, c'est qu'on voit le temps passer au niveau des lumières, tout ça. Là, on le voit pas. C'est vraiment dommage. Ah bah, de toute façon, niveau luminosité, ça n'a pas changé. Entre 6h du matin et 6h du soir, c'est le même soleil. Il est au même endroit, etc., etc. Bon, c'est cool. C'est cool. Carte du monde, on est où? Minefield est là. Commissariat de Germantown, ça c'est... Ah oui, ça c'est là qu'il y a les super mutants. On va continuer comme ça, on sauvegarde rapide. Donc le commissariat est sur la gauche, on peut le voir, donc on va partir vers la droite, nous. Direction Minefield. Alors, Minefield est un endroit très dangereux, mais qui est aussi une bonne... Bonjour madame, vous êtes une raider, d'accord, pourquoi pas. Je vais te bouffer le cœur, saloperie. Alors je crois que c'est elle qui l'a dit. Salope! Ah! Couché! Elle avait une capsule, putain!
Alors, voyons voir. Est-ce que je peux réparer des choses avec tout ça? Crac. Neuf, d'accord. Ok, donc ça c'est réparé. Au niveau des armements, il me semble que j'avais déjà un couteau de chasse. Non, couteau de combat, voilà. Parfait. Ah oui, donc cela c'est bon. Canon scié, j'en ai deux, donc je dois pouvoir réparer. Et voilà, on est plutôt bon au niveau des réparations. Sauvegarde rapide. Il n'avait rien, des fois ils laissent des... En fait, ils sont dans des zones des fois où il y a des choses de cachées. Là, j'ai une baisse des FPS par là, c'est marrant. Alors souvent ça indique qu'il y a un bug graphique. C'est un rataupe. C'est un rataupe. Une bande de rataupes. Pourquoi pas. On a dépassé Minefield, je crois. Ah non, pourtant. Un embranchement. La pire des choses sur lesquelles on pourrait tomber, c'est des Yaoguai. Et je me rappelle plus du tout dans quelle zone il faut pas aller, où il faut aller pour éviter d'en trouver en début de partie. Je ne suis plus infaillible. Mais j'avoue que là, je suis pas rassuré, bizarrement. Genre pas du tout. Ça m'inquiète, ça ne bouge pas du tout. Ce sont deux. Deux raiders, ça peut être pratique s'ils sont que deux. Ouais, alors là on va avoir très très mal. Aïe. Ouais. Alors. Mince. Mince. Donc en fait, il me voit tout. Ah, il me voit quoi qu'il arrive maintenant. Si je peux en niquer un. Voilà. Ensuite, je m'équipe d'une autre arme. De celle-ci. Hop. Normalement. What? C'est marrant, j'ai l'impression que je me fais tirer d'ailleurs aussi. Ah. Putain. Alors. Couché. On va prendre toutes leurs armures. On a pris extrêmement cher quand même. On va essayer de réparer un maximum leurs armures. On pourra voir si on peut les revendre. Par contre, ils étaient 3, j'avais pas prévu ça. Autant vous le dire, j'avais pas prévu du tout qu'ils étaient 3. Et j'aime pas ça.
Parce que j'ai pris vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce qui était prévu. Surtout par rapport à ce qui était prévu. Bon. En tout cas, leurs armes sont pas utiles à réparer. Voilà. Bon. Alors, on a un petit peu de choses en trop sur nous. Un, deux, trois, quatre. Ouais, on a des choses en trop et je vais pas savoir quoi enlever. Ah là là, elle coûte cher celle-là. Allez, hop, je craque. J'en garde une. Et on continue. On reprend la route, chers amis. Littéralement. Alors là, on a une centrale, je crois. Une petite centrale. Et souvent, dans les petites centrales, il y a des petits objets sympathiques pour la construction. Mais apparemment, il n'y a pas le bâtiment central avec. Oh là. Vous voyez, je dis, il y a des bugs graphiques. Hop. Voilà, on est à Mainfield, normalement. C'est ça. Hop. De là, faut prendre le début de la route. Et se mettre accroupi. Parce que là, je peux vous dire que ça va péter. Hop. F5. Ça y est, on les voit là. Regardez. Là-bas. Là-bas. Vas-y, fais-moi passer mon niveau. Bon, alors. On est à 31 en discours, 30 en médecine. On a 18 points à mettre. On pourrait passer 18 points en crochetage ou en science. Cependant. Oh, allez. Et le dernier point de compétence, on va le passer en arme légère. Ça pour la blague. Continuez. Alors, compréhension. Point d'accord, ok. Âme d'enfant, boyau, dénicheur de trésors. On a trouvé beaucoup plus de capsules et de Coca-Cola dans les containers. Ça peut être cool. Robustesse, rapport 10%. D'accord, ok. Sanguinaire, les traits sanguinaires, chaque personne sous la forme d'une bouillie de boyau. Et de globe oculaire. Ah, ça peut être cool. Parce que c'est quand même 5% de dégâts en plus sur, avec toutes les armes. Donc c'est pas rien. Cependant, pour l'instant, on va prendre sur dénicheur de trésors. Hop. Et de une. What? Mais je viens de la faire. What? What? On va y retourner, tant pis, on va reprendre de l'XP, on va reprendre le level. Boum boum boum. Allez. Voilà. On remet les points. Hop. Et un point en arme légère, c'est pas grave. On reprend notre fameux dénicheur de trésor. F5. Vous l'aviez vu, vous l'autre? K.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se passe quelque chose, il n'y a pas que moi, on entend un tir à chaque fois. Vous avez entendu comment? Il y a bien eu un tir, puis après, bam! Et boum là-bas. Arkansas, il est à moitié con lui. Vous l'entendez comme moi, la balle qui va partir ralenti, chers amis. Pa pa da ba ba. Pa pa da ba da pa. Pa pa da ba da. Ah, raté. Oh la vache, mais je lui fais son ombre quoi. Ça y est, j'ai touché. Bon bah dis donc, ça va être mignon ça encore. Ah non! Ah, mais là je touche normalement, cher ami. Touché? Non. Donc c'est comme ça qu'on va faire, puis on va finir là-dessus. Raté. Ok, aïe. Juste pour voir. Voilà, je l'ai eu. Attention, il se pourrait qu'il y ait d'autres mines. Quand je dis pourrait, c'est simplement pour dire qu'il y a d'autres. Salaud! J'avais zappé qu'elle en avait posé dans son propre bâtiment. C'est marrant ça. Bon. Alors, vu qu'on peut me faire péter à coup de mine, ça va pas le faire. Arkansas. Clé de la porte de Richfield, fusil de sniper, merci. Hop. Oui, c'est pas grave, on va réparer le sniper, ça va faire du bien par où ça passe. Hop. Bon, c'est tout ce que t'avais sur toi? Bon, fusil de chasse, fusil d'assaut, fusil de sniper. Le sien avait l'air beaucoup plus efficace que le mien. Bon. Bon. Bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir, j'arrive pas à sortir du menu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite ceux qui le souhaitent, qui ne peuvent pas attendre comme moi Fallout 4, donc à le précommander s'ils le veulent, à acheter Fallout 3 en GOTY, ou à acheter donc Fallout New Vegas ou en normal ou en Ultimate Edition, donc chez mon partenaire GamesPlanet.com, pour ceux que ça intéresse, hein, bien sûr, je ne vous force en rien. Quoi qu'il en soit, les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!